Ils viennent de s'élancer pour cette première épreuve, le prix Laurie, une course attelée pour Poulain et Pouliche de 3 ans, 2275 mètres à parcourir. On est parti sur un temps de galop avec le numéro 1 Brava Jim. On est bien parti au contraire avec Belinda d'Arche, alors qu'à l'extérieur on se rapproche avec Beau de Furetay, avec également troisième position Blondine de Gapré avec dans son sillage, et en quatrième position le numéro 10 Beauty d'Étil. On est un peu plus loin avec Bonheur d'Aval, avec également Belle des Landes. Alors qu'à l'arrière-garde, nous avons Borgia de Vry avec Biwo du Metz et également Betty la Bézirée. Le numéro 3, Betty la Bézirée, a été disqualifié. Il va aborder le premier tournant avec côté corde Belinda d'Arche qui voit arriver à son extérieur maintenant Beau de Furetay, alors qu'en troisième position, nous avons Blondine de Gapré, accompagnée également côté corde par le numéro 10, Beauty d'Étil. On est en cinquième position avec Belle des Landes. Bonheur d'Aval vient ensuite avec Borgia de Vry, alors qu'un peu plus loin, nous avons Biwo du Metz, alors qu'à l'arrière-garde, nous avons Brava Jim avec également Beach Magic. Le numéro 1, Brava Jim, vient d'être disqualifié. Il leur reste un peu plus d'un tour à parcourir avec Beau de Furetay qui force l'allure. On est toujours en deuxième position le long de la corde avec le numéro 6, Belinda d'Arche. On est le long de la corde également en troisième position avec Beauty d'Étil à son extérieur, Blondine de Gapré. On vient ensuite avec Belle des Landes dans son sillage Bonheur d'Aval, juste devant encore côté corde Biwo du Metz. Borgia de Vry vient ensuite, alors qu'à l'arrière-garde, nous avons toujours Beach Magic. Moins de 1100 mètres à parcourir avec Beau de Furetay qui a l'avantage. On vient en deuxième position avec le numéro 6, Belinda d'Arche. On vient à son extérieur avec Blondine de Gapré. On est toujours bien placé le long de la corde avec Beauty d'Étil. Alors qu'en cinquième position, à l'extérieur, nous avons le numéro 8, Belle des Landes, juste devant Biwo du Metz, accompagné par Bonheur d'Aval. Et un peu plus loin, nous avons Borgia de Vry. Il leur reste 900 mètres à parcourir, pas de changement en tête, à savoir Beau de Furetay. On est toujours dans son sillage avec le numéro 6, Belinda d'Arche. Et on vient maintenant à l'extérieur avec Belle des Landes qui va prendre l'avantage et qui va relayer ainsi au commandement Beau de Furetay. On vient également tout en dehors avec Borgia de Vry, avec maintenant en troisième position Bonheur d'Aval, alors qu'on est en quatrième position avec Blondine de Gapré. On se retrouve ainsi en cinquième position avec Beauty d'Étil, alors qu'on a complètement cédé avec Belinda d'Arche, alors qu'on est en sixième position maintenant avec Biwo du Metz, et encore un peu plus loin, nous avons également Beau de Furetay en compagnie de Biche Magique. Le dernier tournant, abordé en tête par Belle des Landes, avec en deuxième position côté corde Bonheur d'Aval, à son extérieur Borgia de Vry, avec également en quatrième position Blondine de Gapré, à la dernière ligne droite. On s'est détaché maintenant avec Belle des Landes, on retrouve en deuxième position Bonheur d'Aval, le long de la corde Blondine de Gapré, alors qu'un peu plus loin, nous avons Borgia de Vry, accompagné également le long de la corde par Beauty d'Étil. Il reste 50 mètres à parcourir avec, sans incident, la victoire pour Belle des Landes, alors que la deuxième place reviendra certainement au numéro 5, Bonheur d'Aval, devant le numéro 11, Blondine de Gapré, et la quatrième place pour le numéro 9, Biwo du Metz.